Bonjour à tous, aujourd'hui je reçois Will pour la sortie de son nouveau single. Comment tu vas, Will? Bonjour, ça va très bien, merci. Merci de m'accueillir. Ah bah de rien, comme d'habitude, hein. Comment tu vas? Eh bah écoute, tout va bien, je sors un single le 11 octobre. D'accord. Ça s'appelle Se Sauver. Donc ça y est, c'est parti pour la nouvelle aventure, quoi. D'accord, et ça fait combien de temps? C'est ton dernier titre, il remonte il y a combien de temps? Alors, c'était l'EP qui était sorti en mars 2022. D'accord. Que j'ai défendu sur scène, Le Cœur qui bat, qui est toujours disponible sur toutes les plateformes. Ok. Le Cœur qui bat, je continue aussi à le défendre sur scène. Mais là, on part sur un nouvel EP, donc, qui est en pleine construction encore, mais du coup, il y a le premier single qu'on sort. Ok. Et, c'est un single qui s'appelle Se Sauver, c'est sur l'environnement. Ah, donc, ça, c'est bien. C'est entre l'homme et la terre. Et je compare la terre à une femme qui malheureusement se fait battre. Parce que le truc, c'est je me pose toujours la question, quand on aime, pourquoi on se fait du mal? Ouais. La terre, on est vraiment en train de la blesser, en fait. Il y a le réchauffement climatique, il y a tout ça. Elle est en train de nous alerter. Et nous, il faut qu'on fasse gaffe avec notre système de consommation aussi. Donc c'est un peu un cri du cœur, au niveau de la terre, ce nouveau single. C'est bien, hein, moi tu défends une cause qui te, c'est, je trouve ça bien. Mais en plus, tu me parles d'une femme, ça me fait penser aux violences faites aux femmes aussi, ça a un rapport. Hein. Bien sûr, exactement, t'as tout compris. C'est franchement, moi je trouve ça beau parce qu'on n'en parle pas assez. Et je trouve qu'à travers une chanson, ça peut permettre aux gens de réagir aussi. Ouais, et puis attention, je suis pas là pour faire la morale en mode. Bien sûr, bien sûr. Je suis pas là pour faire la morale, je raconte juste une histoire de la terre qui parle à l'homme en lui disant si tu m'aimes, pourquoi tu me fais tout ça en fait? Si tu m'aimes, pourquoi tu me fais ça? Finalement, c'est le plus simple pour résumer ce morceau. Et c'est se sauver, c'est soit on fuit ou soit on se sauve, toi et moi en fait. Voilà, c'est un peu ça. Ok, et comment tu t'es orienté sur ce thème-là pour ton prochain EP? J'avais ce morceau. Moi, j'écris beaucoup, beaucoup, beaucoup tous les jours. Tous les jours, j'écris. Et tu sais, il y a des morceaux qu'on met de côté. Bien sûr. Et il y a des morceaux, tu vois, ça revient d'un coup. Et j'avais commencé à écrire ce morceau parce que je trouvais ça pas mal de comparer l'homme et la terre à une histoire d'amour. C'est la plus belle histoire d'amour et l'amour est autour de nous à chaque fois. Et j'ai commencé à écrire, à me dire, et si la terre elle parlait à l'homme, comme si c'était une femme, c'est venu juste en racontant une histoire d'amour. Au début, j'ai voulu raconter une histoire d'amour et je me suis dit, tiens, si on prend cet angle-là, cet angle de la terre, et voilà, j'ai commencé à écrire et voilà, c'est sorti après. Ça allait, au niveau d'écriture. Et ton nouvel EP, il va tourner? Toutes tes chansons vont tourner autour de ça ou c'est qu'une seule chanson? Non. C'est, je reviens vraiment avec le premier single avec une thématique. Le deuxième single, il y aura une autre thématique. Okay. Le troisième single, il y aura une autre thématique. Okay. J'aborde différentes thématiques. C'est-à-dire que là, vraiment, c'est un peu. Je reviens avec un côté un peu plus. Ouais, revendicateur, un peu plus. Ouais. Je revendique quelque chose, je défends un message. Mais après, le deuxième single, ça sera plus doux, plus tendre. D'accord. Ah oui, donc, en fait, tes singles, tu écris ce qui te vient par la tête. Comment tu fais pour tourner tes chansons? Le nouvel EP, en fait, là, il y a une campagne de financement qui est en train en ce moment. Et cette campagne de financement, ça me permet de construire tout l'EP. Parce que là, j'ai déjà quelques titres qui sont déjà dans la boîte. Mais en fait, l'EP là que je suis en train de construire, il y a toute une histoire. Et du coup, je peux pas trop en dire parce que je veux laisser vraiment la surprise. Bien sûr, t'as raison. Et c'est une histoire qui se suit et qui nous concerne tous. Ça te concerne toi comme moi. Plus. C'est des histoires de vie en fait. C'est des chansons que tu racontes la vie. En fait. T'as tout compris. T'es trop fort. T'as tout compris. C'est ce que je me dis, comme tu parles un peu de la terre, je me dis peut-être que chaque chanson a un terme particulier sur les choses qui arrivent dans la vie, quoi. C'est ça que je me dis. Je trouve ça magnifique, franchement, bravo. Hein.
pour ce que tu fais, parce que franchement. Et t'as une équipe maintenant autour de toi? T'es plus entouré que ce que tu étais au début ou... Alors j'ai toujours été, finalement j'ai toujours été entouré, et heureusement, parce que j'aurais pas fait ce chemin là. Ouais. C'est-à-dire que plus le temps passe, plus tu te rends compte aussi des gens qui sont toujours là aussi. Comme toi avec tout ce que tu fais. Tu as une équipe, t'es construit, et puis une équipe sur qui tu peux compter aussi. Bien sûr. Et donc aujourd'hui, je continue avec le même réalisateur, David Leroyer. Ok. Le 11 octobre, c'est le single qui sort sur les plateformes. Et il y aura une surprise après. Peut-être un clip, on ne sait pas. On ne sait pas, ouais. Pas. Ça serait bien, ça. Moi, j'aime bien entendre la chanson, mais j'aime bien aussi la voir de mes yeux, tu vois, avec une danse ou quelque chose qui est en rapport avec le clip. Moi, je... Bien sûr, peut-être. Mais en tout cas, je suis entouré de... Ouais. Donc, je suis entouré de qui, alors? De nouveau, on va dire. De nouveau, je suis entouré de Elio Anthony. Donc, okay. Elio Anthony, c'est un directeur artistique, un arrangeur, qui a travaillé pour différents artistes très talentueux que tu dois connaître. Vita, ouais. Diams, Soprano. Okay. Il a fait un morceau aussi avec Johnny Hallyday, tout ça. C'est okay. Quelqu'un d'humainement de merveilleux. Qui est adorable. Comme je dis toujours, il a beaucoup d'âme dans son art. Il met son âme et il met de l'émotion. Il a la technique, mais il a l'émotion. Il a les deux. Il a le talent, en fait. Voilà, on va dire ça. Okay. Et du coup, c'est lui qui est aux manettes du premier single, donc du nouveau single. C'est lui qui est aux manettes. Ok, mais... toi, tu écris, mais est-ce que tu es aidé pour écrire tes chansons ou c'est toi qui t'occupes de toute cette partie-là? Alors, j'écris tout. J'écris tout et en fait, pour t'expliquer vite fait le processus, ouais. J'écris, je suis inspiré, j'écris. D'accord. Par exemple, moi, je suis quelqu'un comme ça. Là, on discute tous les deux. Tu Bien vas sûr. Me dire quelque chose qui va me toucher sur toi ou sur une anecdote. Je vais prendre un stylo et je vais écrire un peu. Je vais commencer à écrire sur quel angle je peux prendre. Je compose la musique, je fais ma maquette. Donc je fais une maquette, je compose. Je vais dans la direction que je veux. Que moi, je me donne une direction. Ok, oui. Okay, oui. Ensuite, je me dis, le morceau, il me touche. Tu vois, je me dis pas, il va toucher les gens. C'est, il me touche d'abord. Je dis, tiens, j'aime vraiment bien ce morceau. Il y a quelque chose. Et là, je l'envoie à un directeur artistique comme Elio. Ouais. Je lui dis, qu'est-ce que t'en penses? Comment on peut l'arranger? Comment on peut le rendre encore plus beau? Qu'est-ce que tu vois comme percu? Moi, j'ai mis ça, mais toi, qu'est-ce que tu vois? Et ouais. Lui, il rebosse le morceau, il arrange. C'est un arrangeur. C'est quelqu'un okay. qui va avoir le recul que moi, j'ai pu. Ok, mais il va l'arranger comme toi, tu le souhaites. Ouais, parce que j'ai mis... Voilà, direction que tu... Tu lui as dit des choses en fait. Je lui ai carrément envoyé une maquette. C'est-à-dire ouais. J'ai carrément composé l'instru. Ouais. Et moi, je lui envoie juste. On appelle ça une maquette dans le milieu. C'est-à-dire maquette brute. Voilà, c'est une maquette brute qui est là. Ouais. Et ensuite, lui, il va rendre cette maquette vivante. Il va la faire vivre. C'est ça en fait. C'est lui, il va vraiment construire le bâtiment en fait. Et une fois qu'il a validé, qu'il a arrangé. Tu passes en studio directement derrière, comment ça se passe? Ouais, exactement, tu as tout compris. Okay. Il m'envoie l'instru, ensuite je dis ouais, carrément, cool, trop bien. On part en studio, j'enregistre les voix, et ensuite il y a le mix, et ensuite il y a le mastering. Il y a tout plein d'étapes en fait pour que le morceau soit comme on le veut, nous, comme on le souhaite. D'accord, et ce premier titre, ça t'a pris combien de temps pour pouvoir faire tout ça? Bonne idée. Bonne question. Ça m'a pris combien de temps? Je pense que en tout, ça a pris 3-4 mois. Parce que je t'ai vu bosser un peu en studio sur les réseaux, je te suis un peu et je vois que t'es souvent en studio. Je dis, il est en train de nous préparer quelque chose et je pense que ça fait un moment que t'es dessus. Hein. Ouais, puis il y a des pauses aussi avec les plannings de chacun. Bien sûr. Moi, je fais des ateliers d'écriture. J'interviens aussi pour tout établissement, tu sais bien. Ouais. Et du coup, des fois, on doit trouver des dates pour les studios. Bien sûr. Des fois, ça prend un peu plus de temps. Mais ouais, se sauver, c'est à peu près 3 mois, à peu près. Ah oui. En soi, c'est trouver le temps. Et tout ça, dates. C'est du côté de.
c'est Dinard, c'est ça hein, où tu es? Alors moi je suis à Dinard. Ok. Moi je suis à Dinard et on a enregistré à Saint-Hélin. Voilà, oh, Saint-Hélin. Ouais, je connais. Bah, j'étais pas loin de chez toi il y a pas longtemps. J'étais voir DMC à Saint-Malo. Donc, DMC, ça y est, il est. Ça il y est, il est à Toulouse maintenant. Ça y est. Il est parti. Il est toulousain. Bah, je suis venu une dernière fois le voir à Saint-Malo il y a quoi 15 jours à peu près. Donc, c'est dommage, on s'est loupé de presque. Dinard, c'est en face, hein, c'est vraiment pas loin. Après, n'hésite pas à m'envoyer un message. Oui, mais non, j'ai pas. Tu sais, bah, comme je sais que tu es souvent occupé, je voulais pas. Voilà. En plus, je suis passé à Dinard, donc ça tombe bien, mais bon, c'est. Ah bah, peut-être, bon, aura peut-être l'occasion. La, hein, de... la prochaine fois, n'hésite pas. Ok. Même quand tu es sur Paris, n'hésite pas. Hein. Ouais, mais l'autre fois, on s'était loupé. Mais tu pouvais pas. Il y avait un moment où tu pouvais pas. T'es pris aussi. Toi, t'as beaucoup de choses. Ouais. Mais je retourne sur Paris le 9 octobre, mais en coup de vent. Bah, c'est, tu fais dans le métro ou juste. Je repasse le casting musicien du métro. D'accord. Je passe juste le casting et je vais jouer un petit peu dans le métro vers midi par là. Tu restes pas longtemps et après tu repars quoi. Ouais, je repars la journée. C'est juste pour le casting. Voilà. Ok. Bah, tu fais l'aller-retour dans la journée en train, quoi. Ça va vite, hein. Ouais. C'est pratique. Ah, c'est vrai, de ceci dit, c'est pratique d'avoir le train. C'est écologique. Le mec qui essaye de. Quand même de casser un peu le truc. Non, mais t'as raison, c'est plus écologique de prendre le train que le car, par exemple. Voilà. Tu vois, j'essaye de suivre la ligne du nouveau morceau, je me dis. Voilà. D'accord, et t'as toujours une agente qui s'appelle Karine, je crois. Karine, qui est la manageuse, c'est elle qui gère tout. D'accord. Et Karine est aussi aujourd'hui éditrice. C'est-à-dire qu'elle édite aussi le projet. Donc, ça s'appelle Kalia Music Publishing. Donc, elle a créé sa boîte d'édition. Donc, elle est manageuse, éditrice. Elle fait plein de choses. C'est elle qui t'édite, alors? Voilà. Se Sauver, le nouveau single, il est en édition chez Kalia Music Publishing. Donc, chez Karine, en fait. Voilà. On a décidé d'être vraiment dans l'autoproduction totale. Vous avez raison, c'est mieux, hein. Mais ça demande du travail quand même, de s'auto-auditer quand même. C'est énormément de travail. Après, c'est énormément de liberté et on est très 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 heureux. Tu sais, je pense que le plus grand des succès, c'est pas de faire Bercy. Grand des succès, c'est d'être heureux. C'est de faire ce qui nous tient à cœur, de le faire comme on le veut. Bien sûr. Et le reste, après, tu sais, c'est le vrai patron, c'est le public. Après, c'est le public qui prend là, qui écoute la musique, qui est consommateur de la musique. C'est eux les vrais patrons. Donc si une musique doit entre guillemets percer et arriver au plus haut, c'est grâce aux gens en fait. C'est vrai. Et ton petit concert que tu avais fait à Paris, ça va, ça t'avait plu? Oui, c'était super. Ouais. Bah, en fait, ça fait du bien de quitter aussi un peu le coin. Ça fait du bien d'aller dans d'autres endroits et puis de se confronter aussi à des gens qui ils nous connaissent pas, donc on fait, enfin, je veux dire, vers Dinard, Saint-Malo, les gens, Mabou, ils la connaissent. Ils la connaissent, ouais. Mais du coup, quand tu vas à Paris, tu dois conquérir un peu les gens, le cœur des gens, on va dire. C'est vrai. En plus, t'étais pas tout seul, je crois qu'il y avait un autre groupe avec toi, non? Ouais, il y avait mon pote Thibaut Clément. D'accord. C'est bien, si je peux toujours mettre mes potes avec moi, Thibaut Clément qui est avec moi à la guitare en live. Okay. Et il a un projet solo et du coup on s'est dit on va faire tous les deux le coplateau quoi. C'est un coplateau. Et ça va, t'avais eu du monde? Ouais, on a eu du monde. C'était pas rempli. C'était pas Bercy non plus, mais c'était quand même une belle petite salle, hein. Non, ouais, puis c'est cool quoi. Jouer à Paris, c'est trop cool. Avoir du public déjà, c'est quand même une réussite. Ouais. Pour un artiste. Ouais. Et je suis allé aussi à Brême, en Allemagne. Ah, ok. C'était avec un institut français. Ok. Du coup, ça a été top parce que là, j'étais confronté aussi à la langue. C'est-à-dire qu'on était... Mais finalement, en fait, j'ai compris que les Allemands, ils parlent bien français, en fait. Ils débrouillent super bien, Ils savent parler, mais ils ont du mal à le parler quand même. Quand ils ont du mal... Quand tu viens chez eux, faut que tu parles leur langue, ils ne te parleront pas en français, quoi. C'est ça qui est un peu... Nous, quand on est allé chez eux, non, ils parlaient français. Hein. Non, ah, ils faisaient des efforts, hein, Ils font plus d'efforts que nous, les Français. Hein. Ah, ça, c'est pas faux, ça. C'est vrai que nous, avec les langues étrangères, on a un peu de mal. Hein. Ça, c'est pas faux.
Ouais, après, mais c'était une belle aventure, ça aussi. D'accord. Et c'était pourquoi? Pour un concours? C'était pourquoi ce... Non, non, c'est parce qu'en fait, tu sais, il y a des instituts français partout dans des pays. Ouais. Et où il y en a en Italie, il y en a à Londres, il y en a à Ho Chi Minh aussi au Vietnam. Et en fait, les instituts français, bah, leur objectif, c'est de promouvoir la culture française dans le pays. Et bah, voilà, du coup, je suis allé à Brême en Allemagne découvrir déjà Brême, une super ville en Allemagne. Et du coup, aussi les gens, le public, qui étaient nombreux en plus. Ils étaient nombreux et nombreuses à être là. J'ai même vendu, j'ai vendu quelques CD là-bas. Ah bah, c'est toujours ça. Hein. Écoute. Bah, ouais. T'as raison, hein. Franchement. Donc, rappelle-nous le nom de ton prochain single pour ceux qui nous rejoignent actuellement. Se sauver. Se sauver, voilà. D'accord. Et en exclusivité, tu voudrais pas nous chanter quelques petites notes de la chanson? Si, vraiment, si quelques tu veux. Paroles, hein. Pas... Si tu veux, je peux te faire... L'amour sans air pur jusqu'à s'en étouffer. L'avenir, nos futurs jusqu'à me bousiller. Dans leurs beaux costumes, ils m'ont bien oublié. Comme si c'était la thune qui pouvait nous sauver. Mais c'est toujours pareil, on fait semblant d'y croire. À gâcher l'essentiel pour des choses illusoires. L'histoire était si belle, mais se déchaîne le futur. Pourquoi se dire je t'aime en m'infligeant toutes ces brûlures? Et je vais m'arrêter là. Ah bah c'est déjà bien, bravo, hein, bravo. Bah si vous voulez entendre, hein, ça sort le 11 octobre sur toutes les plateformes. Et franchement, bravo Will pour ce que tu fais. Et moi je te suis sur les réseaux, t'inquiète pas. Hein. C'est pas parce que je te contacte, je te suis tout ce que tu fais. Et je suis aussi ce que tu fais. Et c'est aussi pour ça que bah, je suis toujours OK pour faire des interviews avec toi. J'aime ton sourire, ta sympathie, ta bienveillance aussi. Et voilà, je suis à chaque fois ravi de passer un moment avec toi en interview parce que t'es vraiment quelqu'un de super. Et tu portes ce discours que tu fais partie des gens qui font. Ouais. Tu agis, tu fais. Et dans la vie, il n'y a que les actes qui comptent et tu fais partie de ces gens-là. Ah voilà. Bah c'est gentil. Merci, oui. Et un jour, je te suivrai sur un de tes événements, te faire un petit documentaire pour voir les coulisses de comment tu fais un DJ. J'aimerais bien te suivre une journée sur tout ce que tu fais, une journée type de Will, tiens. Ça pourrait être pas mal à faire, ça. T'es le bienvenu. Ah bah ça c'est gentil ça. Parce que on sait pas, les artistes on les écoute mais on sait pas comment ils créent tout ça. Et ça j'aimerais bien mettre en lumière une journée type d'un artiste. Mais tu vois, je suis en train de me dire des fois sur internet, je me dis, tu vois, peut-être que sur les réseaux sociaux, je devrais faire des lives. Tu sais, des lives sur Instagram. Et commencer un morceau devant les gens, poser le téléphone, et puis finalement oublier un peu le téléphone et créer. Ça, je suis en train de me dire. Pourquoi ça pas pourrait le faire. Être pas mal de faire ça, oui. Je pense que des petits lives de temps en temps, oui. Et je vais penser à faire ça. Prendre le temps aussi, réfléchir comment tu peux faire la chose. C'est vrai, c'est vrai. Mais il y a aussi des capsules qui vont sortir. D'accord. Des petits morceaux, des petits fragments de morceaux qui vont sortir. Et ces fragments-là, ils auront une thématique aussi. Enfin, tu verras, il va y avoir des choses. Là, on s'est remis au boulot. Enfin, on était toujours au boulot. Mais comme là, ça charbonne, c'est ça? C'est dans les coulisses qu'on essaye toujours de faire les plus beaux spectacles et ça prend du temps dans les coulisses. Bien sûr. Mais ça, voilà, les gens, je pense qu'ils prennent conscience de tout ça, que dans les coulisses, du temps. Surtout quand on est en indépendant. Et ça, ce qu'il faudrait aussi, si ta manager, je pense qu'elle a dû y penser, c'est filmer un de tes spectacles. Bien sûr. Bien sûr, et peut-être vendre le DVD ou tu vois, pas le vendre, mais le montrer sur internet, sur YouTube ou trucs comme ça, pour ceux qui peuvent pas suivre tes concerts, ça serait pas mal, tu vois. En live ou en enregistré, bien sûr. Ça, c'est pas mal, oui. Même de faire un live. Carrément. Même de faire un live. Ouais, très bonne idée. Tu devrais lui en soumettre l'idée, tu vois. Peut-être que ça pourrait le faire, ça. Tout de suite après. Jamais. Sur YouTube, au moins les gens pourraient te suivre, ça te ferait aussi des spectateurs en plus. Bien sûr. Ça peut être une idée à faire, ça. Merci pour ces conseils. Ah bah moi, quand je peux donner des conseils, j'en donne. Hein. C'est des idées comme ça, des fois, je le soumets aux artistes et après, c'est... Ouais, moi, je peux rien faire. C'est comme ils sont souvent avec des managers et des managers, il n'y a qu'eux qui peuvent prendre la décision. Hein. Ouais, mais on s'inspire des gens et des autres. Hein. C'est le principe. C'est vrai. Bah, merci, Will, d'avoir passé ce petit moment avec moi.
Merci à toi, surtout. C'est un plaisir, vraiment. Bah, merci. Moi, c'est un plaisir de te recevoir à chaque fois. Et franchement, reste comme tu veux, parce que j'adore tes chansons et ça porte une quelque chose au cœur. Et franchement, bravo. Et bah, reste comme tu es, parce que j'adore qui tu es. Voilà. Bah, merci beaucoup, Will. Bah, je te souhaite un bon courage. Et puis, n'hésitez pas à aller streamer son nouveau titre. Hein. C'est très, très important. Merci, merci, Will. À très vite. Et puis, encore bravo pour ce nouvel single que tu nous sors. Merci beaucoup. Merci. Prends soin de toi. Merci. Merci toi aussi, Will.